Refaire l'intro. Allez, Allez, ok. 1, 2, 2, clap. 3, bonne année. Bonjour, bonjour. C'est le deuxième départ de cette vidéo suite à un faux départ de type micro coupé. Nous sommes sur Minecraft Dungeon, la suite et probablement fin de l'histoire principale, ainsi que probablement l'event Halloween. Oui, ça fait beaucoup de probablement. Nous sommes toujours avec Jack. Bonjour Jack. Bonjour, probablement. Bonjour Yakipon. Hello. Et bonjour Draken. Bonjour à tous. Et on C'est janvier, va. hein. Non mais Yaki. Voilà, on va pouvoir lancer la mission. C'est Draken, notre On guide peut des faire missions. très rapidement un tour du village parce qu'il y a Oui. plein de nouveautés. Ah oui, c'est vrai. NOUV. On a du people qui est venu. Alors, nous avons le marchand du village qui a toujours été là, je crois. Oui, mais son skin a changé, je pense. Ouais. Ouais, son skin a Il était changé. pas vert, ouais. Enfin, il a dépecé une grenouille et s'est mis dedans, quoi. Oh! Ouais, Pauvre Kermit. Nous avons Ils sont. un forgeron qui est. Il était là aussi. Oui. Qui avait toujours ses belles lunettes. Mais Ouais. actuellement, le forgeron ne nous permet plus d'acheter des armes, mais d'augmenter nos armes. Et nos Voilà. armures. Okay. Améliorer. Nous avons Améliorer. un mec qui se balance de manière beaucoup trop dérangeante, l'emballeur de cadeaux. Je suis Il fait désolé. vachement bien le mec à cadeau. Ouais. Moi, je pense que pour être comme ça et faire ça en boucle, il faut être sous coke. Hein. Ou toute autre substance Bah, illégale. Hein. vu que Ou c'est alors il a 150. des puces sur les fesses. Hein. Non, il écoute Moscow toute la journée. Regarde Ah Moscow, Moscow. oui. Ah Oui. merde. Ça correspond aux couleurs. Hein. Mais oui. Nous avons ensuite le marchand de luxe. Hey, tu payes tes impôts en France? Qui a un. Qui a un. Des objets de luxe à vendre. Voilà. Enfin, je veux dire, il a un bonnet orange de ma foi, fort beau, gari, beau ga, fort beau Beau gabarit, gabarit. et un nez de fort beau gabarit également. Oh, il paye pas l'ISF, lui. Et nous avons le marchand mystère. Ah. Il est très très mystérieux, il a une cagoule. Ouh. Et comme on disait avant le live, c'est Mister Mask. Voilà. En version Minecraft, quoi. Et il Enfin, je sert à sais quoi au pas. final? Il permet d'acheter Avoir des des canons trucs. mystères. Avoir des trucs aléatoires. Ah. Du mystère. C'est. Ouais, Très c'était. mystérieux. C'est la trappe peluche, quoi. Voilà. Oui, c'est un peu le gacha, oui. Bon, allez, Et. on joue! Allez, on joue! Oui, on joue! C'est parti! Oh, y a un bandit! Et on va où, Alors. Ah, ben, je ne sais pas. De mémoire, je crois que c'est la forge ardente et le temple du désert que nous devons faire. J'ai une vraie question. Oui. Profite. Pourquoi sur le champ des citrouilles, on a un fanion vert et on l'a pas ailleurs? Est-ce qu'il y a que moi qui ai le fanion vert sur le champ Non. des citrouilles? Moi, j'ai le fanion vert sur la mine de Redstone. Moi j'ai le fanion vert sur le paradis de l'arche. Est-ce que ça veut dire que c'est des missions, genre si on les fait maintenant, ça va nous filer des bonus en plus, peut-être? Alors moi, je pense que je peux aller me faire mettre parce que je n'ai pas de fanion vert. Attends. On était où? On C'était t'en où? fera un, on ira le coudre pour toi. Ouais, on ira faire le petit fanion pour lui. Putain, Bref. j'ai vraiment l'impression d'être l'enfant dégénéré de la famille, quoi. Alors attends, Non, j'ai pas le pagnon Alors, vert. je corrige, nous devons faire le temple du désert car nous avons déjà fait la forge ardente. Oui. Eh D'accord. bien, Ah mais en fait, attends, c'est les épreuves effrayantes, je viens de voir ça, c'est lié à Halloween? Oui, Oui. voilà. D'accord. Donc Et on en fera plus tard. à chaque épreuve effrayante, nous avons une récompense unique de débloquer. Oui, donc il va Ouh, falloir ça toutes fait les peur. faire. Go, je sais plus comment on fait, mais go. Ah ben, pour le temple du désert. Ah ben voilà. Mais on n'a pas lu le texte. Annulé. Ah oui, annulez vite, vite, annulez. Ah bah, Kili. on va faire quoi en fait là du coup? Nous allons Le faire le temple temple du du désert. désert.
Bah en fait, moi je peux pas parce qu'il est marqué verrouillé pour moi parce que mon avancée personnelle est trop en arrière. Merde! Alors dis-nous, qu'est-ce qui n'est pas verrouillé? Enfin, bon, bof. Ben, je pense que je peux rejoindre le machin, mais je peux pas y accéder. En fait, je peux pas le lancer, moi. D'accord. Bon, D'accord. attends, dans ce cas-là, on va lire l'histoire et on va voir si tu peux le rejoindre. Vaut mieux le faire dans cet ordre-là, quitte à lire une histoire pour Ouais. rien. Ouais. Qui lit? Bah pas moi du coup. Bon bah C'est vrai. Le royaume innommable. Balayé par les vents, les sables du temple du désert ont fait disparaître toute trace d'un vaste et ancien royaume. Pourtant, un pouvoir secret demeure toujours. Les enchanteurs de cet ancien royaume sans nom pratiquaient autrefois la nécromancie, une magie qui invoque les morts. Aujourd'hui, des générations plus tard, les Ilajois sont arrivés et ont essayé de s'emparer de ce pouvoir dans les tombes poussiéreuses. Qui sait ce qu'ils y trouveront? Mais quelque chose d'autre protège ces cryptes. Oulala! J'allais faire la même, putain. Un reportage de David Schmidt. Est-ce que t'as pu accepter, Ralga? Oui, oui, j'ai pu accepter. Il est dedans. Dans la partie. Rip les voisins. Ah, mais on s'en fout. Non, c'est pas vrai, on s'en fout pas. Ah oui, et pour remettre dans le contexte pour les gens qui regarderaient ce live, je suis l'enfant dégénéré de la famille parce que je n'ai plus ma sauvegarde. Suite à une sombre histoire de formatage de PC, tout ça. Et chez Mojang Studio, on ne connaît pas la sauvegarde dans le cloud. J'avoue. Donc, la je map me est super jolie. Oui. Ouais, il y a plein de cartes de tarot par terre. J'aime trop ça, moi. Je suis pas dans tout ce qui est cartomancie, tout ça, mais j'aime beaucoup les designs. Bref, on vous s'en laisse fout. Passer devant. Eh, il y a un pot vert, là. Wow. Le pot. Le pot. Le caf. Oh, le pot. Ah, mais j'ai toujours ma petite poule avec moi. T'as la je sais poule, plus comment je l'avais nommé. Je vais pas souvenir que tu l'avais nommé. Ouais, moi non plus. Je crois que c'était un work in progress. Là. Ouh là là! Tellement ah bah oui, hein, chers amis. On est niveau 29. 29 stuff. Enfin, stuff level 29. Oui. Donc nous sommes bons, normalement, nous pouvons effectuer ce donjon sans souci, sans qu'aucune personne ne meure. Est-ce qu'on peut me rappeler comment on affiche la map? Tabulation. Merde, ça va beaucoup mieux comme ça. Là-bas, il y a des choses qu'on a fait. Ah oui, et nous avons un nouvel. Des nouveaux. Nice. Méchants. C'est quoi? Des cubes. C'est des magiciens. Des triangles, attention. Et. Des Maria Carré? Oh, nice. Tu le vois, il est en train de partir là, le magicien, et en fait, il invoque des squelettes. C'est un nécro-dancer. Ouais, un nécromancer. Je suis en train de me faire bolosser. On aime ça. On aime le bolossage. Toi peut-être, qu'est-ce... mais moi pas du tout. Qu'est-ce que ça fait contre le dernier boss? N'oubliez pas que vous avez une potion que vous pouvez utiliser de manière continue. Oui, elle a juste un petit cooldown en appuyant sur la touche E. Un gros cooldown. Un gros cooldown. Un gros cooldown. Ça dépend. Mais vous avez également des artefacts qui permettent de mettre dans des zones au sol pour redonner de la vie. C'est pas qui m'a heal, mais merci. Non, je ne l'ai plus, parce que je n'ai pas réussi à l'avoir. Ah ah. Alors attends. Soignez les proches le plus blessé. Ah, bah c'est bon, c'est moi qui soigne. Cool. Je disais, attends, j'ai peut-être pas fait ça. Alors, Ralga, viens par ici et mets-toi sur la dalle. Et blip. Et passe la dalle. Vas-y, traverse. Non, mais il va mourir. Donc attention. Il bah y a ouais, des pièges. Oh, du pain. Et du vin. Et des jeux. Et du bon pain. Oh, et des jeux, du pain et des jeux. Des jeux. Je suis bloqué dans une toile d'araignée. Ça. Je crois que sur cette map, il y a beaucoup de pièges. Je viens de passer niveau 21. Yes. Oui, parce que du coup, j'ai pas expliqué sur le live comment j'ai rattrapé mes niveaux de retard. Il y a de cheat. Oui, t'as fait comment d'ailleurs? J'ai mis une vidéo en privé sur Discord si tu veux.
Et sinon, j'ai fait les 13 premiers niveaux de manière legit, si on peut dire. Avec le fait que en solo, c'est horriblement dur, bordel, ce jeu. Et un levier, clic. C'est faux, tu mens. Et après ? Et après, en fait, j'ai été dans les mines de redstone, il y a les caches qui font spawn des mobs en boucle. Je me suis mis dans un coin et j'ai bloqué ma touche pour taper. Donc ça a pris une heure. Qui a la clé ? C'est Jake qui a la clé. Alors j'ai le Pikmin esclave dans mon dos. Donc alors oui, les gardes avec les boucliers arrêtent votre première attaque. C'est pour ça qu'on va lancer une flèche. Reviens là. Attends, mais on va où là ? Là en fait il faut pas que Jake se fasse taper, sinon il perd la clé. Reviens là. La porte, sort. Utilisez la roulade hein, pour le pire. C'est quoi la roulade ? Espace. D'accord. Roulette. Sors la clé. Mais où il va ? Il faut cliquer sur la porte ici. Et attention, ça spawn. Ah, il y a des... Et ça s'ouvre. Avec Draken qui nous explique tout, j'ai l'impression que c'est vraiment le roi Arthur avec Perceval, Caradoc et Bohort en balade. Eh oh, tu es pas meilleur. Mais fermez-la. Oh, il y a une petite abeille, regardez. Si, c'est à moi. Quand je fais une roulade. Miel Pops. Bon, on est obligé de citer d'autres céréales. Les Smacks, les Frosties et... Elle a pris trop cher. Chocapic, c'est fort en chocolat. C'est la même marque, enfin, c'est la même boîte. Ouais, c'est ça. C'est la même boîte au sens propre et au sens figuré. Faut aller où ? À gauche, nous avons une deuxième partie. C'est vrai, il a raison, fallait aller là. Parce que à droite, c'était le... Dans la boîte. Dans la grotte ? Alors, en fait, normalement, on doit continuer tout droit, mais nous pouvons aller dans la grotte. Dans la maison grotte. Dans la grotte sombre et humide. Putain, il a de la vie, lui. Pardon, excusez-moi pour le mot. Franchement, ça doit être que le quatrième ou cinquième depuis le début de ce live. Je prends très cher. Restez groupir. Groupir. Bah voilà, je suis mort avec Akibo. Je pense qu'on va tous mourir quand on va arriver au boss de... Je crois. Est-ce que vous avez du Alai? Oh putain, la référence. Oui. Ouf. C'est la même que groupir. Oui. Tout à fait. J'ai envie de dire référence un peu de boomer quand même. Ça va être... Ça y est, de suite, ça commence. Eh, attends, je suis plus vieux que toi, donc si tu es un boomer, qu'est-ce que je suis, moi ? Un méga boomer. Un méca boomer, ça... Un méca. Venez près de moi, je vais vous soigner. Non, tu soignes... Ah bah non, j'ai gagné le... Moi, je peux soigner. Le nain prend un niveau. Chaussette. Il nous en manque un là, non ? Oui, ouais. Tout à fait. C'est parce que, en fait, à droite, vous deviez activer également une balise, cher ami. Ah, bah, vous le savez pas. Bah, je le savais pas non plus, je l'ai vu. Comme ceci. Je crois que la deuxième doit être dans le coin. Elle est là. Mais est-ce que c'est la balise RTL ? Oh, la balise RTL, la fameuse. Et ça a ouvert quelque chose. Ah, c'est ballot, madame Chombier. Ça par contre, c'est une vraie référence de boomer. Par ici, les amis, par ici. Alors, attends, il y a de l'ombre là-haut encore. Oui, c'est pour ça, j'ai dit par ici. Je suis avec toi, Jack. Par contre, on prend très cher. Mais non. Là. Tu sais, pour pas prendre de dégâts, le but c'est de pas en prendre. Hein. Oui, merci. La citation 2020, ça ressortira. Moi j'entends très bien ma phrase. Il y a de la bouffe en bas. Bah écoute, va, morphale. C'est quoi cet écrit vert ? Il y a écrit nouvel emplacement. Vas-y, je le veux. J'ai récupéré les sous-sous. Oh là ! C'est là ! Non, c'est maintenant, pas là. Tu fais comment ? Comment on fait ? Bah je fais F1 et TP sur Yaki Pompon. Mais je veux ça, moi ! Il y a une tome en bas. Tout en bas. Mais c'est pas ça que je veux. C'est le nouvel emplacement là. Comment on fait ? Il faut qu'on trouve un interrupteur pour faire monter le machin. Il manque une balise, je crois. Ah, ça doit être ça. Ici, regardez, vous n'avez pas vu, mes amis. Pas ici. Je sais même pas où est-ce que t'es, en fait. En haut à gauche.
Ici, regardez. Je vais activer l'ascenseur. Et là, normalement. Il est là. Et nous aurons un niveau secret, je crois. Ouais, nouvel emplacement. Voilà, ah oui. on a déverrouillé une mission. Nice. On est vraiment trop fort. C'est moi, je suis fort. Là. Ah oui, c'est vrai, c'est quoi, j'ai ce thème. C'est le thème de protection, j'ai oublié. Moi, je me sens fort. Je sais pas vous, mais. Ah, moi, très fort aussi. Je trouve qu'on on roule le jeu, mais alors tellement fort que. Solo, ça va. À 4, c'est plus compliqué. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Un cochon ! Vite ! Ah oui, c'est un cochon trésor, vite. Le cochon trésor, oui. C'est pas très vegan. Hein. Oh non, ah, attention, y a un Enderman. Oh mon dieu, il y a un Enderman. Donc, faut pas le regarder dans les yeux. Et... Ah bah c'est trop tard, je crois qu'il nous a vu là. Eh mais il me déteste. Là, je crois qu'il est sur moi ou il y a Jake. Mais moi je les aime, les Enderman. C'est mes amis. C'est quoi toute cette smala qui arrive là? Bah c'est notre cher c'est ami, les nécromanciens. Ah ouais, c'est les nécros derrière, ils ont fait n'importe quoi. J'ai plus de vie. Je peux pas soigner tout le temps par contre, j'ai désolé. Plus de... Et j'ai plus de... Oui bah je fais ce que je peux. J'ai plus de flèches, j'ai plus de vie, j'ai plus de flèches. Regarde sur ton genou. Non, non, ça ne marche pas. Je suis décédé. Oh. Oui, on va décéder je pense. Totem, je réanimerai le gars. Oh. Faut tuer l'Enderman. Moi je suis en plein milieu, courage. Je suis mort aussi. Le but c'est de taper les nécros avant les zombies, mais c'est difficile. Oh mon dieu. On a une chance. Oh ouais, merde. On a encore 3. Les nécros, vite. Tue les nécros. C'est les trucs violets là. Ouais, oui, non, les totems, ceux avec les... Quoi pas les totems, totems. Les bâtons, ceux avec les bâtons. C'est bon. Ouf, il est facile ce jeu. Nous sommes des professionnels. Enderman il a succombé aussi. Oui, 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 Enderman il est mort. Zouche, zouche. Ah. Et bah voilà, la petite armure légendaire. Vite. Alors, poudre de choc. Khaled. Je suis bleu. Venez s'il vous plaît, c'est le bordel. Khaled, le chanteur de oui, Aisha. Lui-même. Oh mince. Comme si je n'existais pas. J'ai cru que t'allais chanter comme si j'avais pris la merde. J'ai mouru à côté de toi. Moi. Là, j'ai peur. Je suis mort. Ah mais je suis seul en fait. Bah oui, il y avait plein de creepers, oui. Aïe aïe aïe. Et tu vas prendre des dégâts au fur et à mesure, Alga. Mmh. Mais non. À cause de la nuit. Nous venons de perdre 2 vies. Eh ben. C'est passionnant. Ah, encore ? Bah oui, on a 3 vies, donc là c'est notre dernière. Je ne savais point, je pensais que c'était. Nous sommes à. Tac. Pourquoi on va sur le vrai chemin ? On peut aller sur la noisette. Ouais, je sais pas. On pourra explorer après en haut. La musique. Oula, 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 oula. Mais non, ce n'est qu'une simple indigestion. Bah du coup, on remonte en haut. On peut pas remonter en bas. Le saviez-vous, quand vous effectuez une roulade... Ah, vous pouvez vous en avance, Draken, sur nous. Vous pouvez vous TP sur moi. Salut. Alga ? Oui, j'arrive. Vous ne voyez pas du tout bouger, c'est pour ça. J'étais en train de mettre mes enchantements. Attention, reculez, TNT. Ouais, faut le dire avant de la lancer, ça. Ça va péter. Alors, oh là là. Oula, ils sont enchantés eux. Frénésie glaciale. Ah, oh. Alors, vite, tapez. J'essaie de partir sur un bulle de réduction de dégâts, mais... Ils sont
enchanté ou empoisonné? Ils sont enchantés. Oh, ils ont frénésie et glacial. Vas-y, lance une TNT. Je pense que ça devrait aller. Attention, Alga. C'est bon, c'est bon. C'est juste que j'étais bloqué. Je pouvais pas sortir. Ah. Et tout ça pour... Ah non, c'est moyen coffre. Oula. Et nous pouvons... Je crois qu'il y a encore Draken, nous, avec nos albardes devant, là, c'est... C'est parti. Halte là. Le pire, c'est que on est devant, mais moi, j'ai plus de vie. Merci, qui prend. De rien. Halte là, qui va là? Aux armes. Il est une heure. En plus... Et tout. Toi, tu as le... Va bien. Il y a un truc, là? Pas, non, pas apparemment, il n'y a rien. Je crois, en plus, t'as une aura de feu, Ralga. Oui. Je crois. Ouais. Et moi, c'est quand je tape, je réduis les dégâts et je les brûle aussi. Par contre, je préfère le dire au prochain groupe. Demain, j'envoie la TNT direct. Attends. C'est tu mets la TNT direct. D'abord et tu réfléchis ensuite. C'est ça. Voilà. On va les paquer d'abord. Voilà. Haha. Mais va te faire foutre, jeu de mort. Attention. Hop. Hop. Et ah, mince, mais oh là là. Il y a plein de pièges. Vite tu. Oups. Ouais, t'es, en plus t'es pile sur le ciel, le piège. J'ai plus d'âme pour soigner moi. moi j'active tous les pièges. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'explore. Regardez, je suis chanceux, je ne vais pas mourir. Mais c'est normal, vu que t'es le premier à activer les pièges, tu peux pas les prendre. Super. Moi je regarde, Jake. Espace, Jake, espace. Maintenant. Alors, attends, parce... Maintenant. Aïe. Aïe. Oh bah là, voilà. Gauche, je sais pas s'il y a un truc à gauche. Ah, c'est quoi ça? Attends. Bon, truc, explorateur. Chaque centaine de blocs explorés sur la carte permet de récupérer de la vie. Ah, c'est pas mal ça. Aïe. Y'a rien du tout. Aïe. je pourrais être matinal, j'ai mal. Encore, mais... C'est les derniers. Jack au pire fait un F1 ou F2. C'est les derniers. Fais un Alt F4. Trust me. Survivre à l'embuscade. Ah. Et voilà. Ah. Il y a un piège. Ah, c'est lui là. Restons groupés. Mais on est tous bloqués. Ah. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est, en fait, c'est Ralga, je pense qu'il nous bloquait avec la... en étant bloqué dans la toile d'araignée. Oula, attention, les flammes font très mal. Oula. Putain, le porc épique à la fin, le mob, quoi. Grave. Le nécromancien. Ah, je vais mourir. Il est où, le nécro? Il est mort. Et mon corps est juste... Ouais, voilà. Je suis caché. Merci. C'était... D'accord. C'est passé quoi, là? J'ai vu Jake traverser le sol, j'ai rêvé ou... Non, oui, en fait t'es tombé dans le trou. Il y avait un trou. Oui. Salut Imra. Bonsoir Imra. Ah, oh, on a gagné un niveau. On XP plus vite que Ralga, hein. Vous êtes niveau combien? Quel enfoiré. Je sais pas. Ah non, mais solo, je veux dire, on explique beaucoup plus vite à 4 que solo. Alors, oui. Dans le petit chemin, il y a des pièges. Moi, voilà. Je veux ramasser toutes les âmes de l'univers pour pouvoir vous soigner. Because I'm a healer. Yeah. I'm a healer. I'm a survivor. Je vais pas la faire. La 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 la. Mais arrête d'activer les pièges. Arrête de tout déclencher, bordel. J'avoue, c'est chiant. Non mais de toute façon, vous allez les déclencher quand même, hein. Ouais, mais si on essaie de tout se passer en même temps, tu vois, pour éviter de tout déclencher et de pas savoir où aller. Ah, vite.
des challenges. Ah ouais, mais non. Je suis pas amateur d'hackenslash de base. On peut me faciliter le la cochon, cochon, le cochon. Putain, il a pris cher le cochon. Méchoui, direct. Chiche kebab. Oula. Oula. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Oula, oula. Attention, attention. J'ai pas l'impression de faire énormément de dégâts avec mon marteau. Bah t'inquiète pas, c'est apparemment. Là, vu la telle... salle. Oui, je pense qu'on va avoir des trucs là. Tant pis, j'ai des rollbacks. Il va y avoir du sport. Mais moi, je reste tranquille. Oh non. Attention, il y a encore reviens un micro. Viens ici, saloperie. Enfin, il est dans l'eau comme ça. Quand oh, oh là là, il y a tellement de. Oh là là, il y a tellement d'invoqueurs là. Il y en a deux derrière. D'invocateurs, putain, d'invoqueurs. Ouais, bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Je vous fais un brouillon. Démerdez avec la phrase. Alors, je suis coincé dans l'eau en dessous, je me fais bouli par les mobs. Essaye de voir si tu peux taper, si tu peux pas TP. Non, pas en combat. Ah mince. Oh putain de merde. Je suis succombé sous le pont. Ah. Ah. Où tu es, où tu es, où tu es. Ah d'accord. Putain. Ah. Ah. Je suis mort aussi. Oh là là, là 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 là. J'ai gagné un niveau. Je reste le gars, Yegi. Creeper, faites gaffe. Attends, mais quoi? Mais y'en a un autre mort là. Ah. Attention, TNT, vite. TNT, attention. Ah, je suis coincé dans les mobs. Il dit ça dès qu'il a lâché, ça met. Tu m'étonnes qu'on galère quoi. Je l'ai dit quand je l'ai lancé. Hein. Mais non. Il faut le dire avant. Mais oui, putain. Mais c'était un peu compliqué avec tout le monde. Non, si on a dépensé notre roulade, DNT. Ah ok, je vais crever, merci. Ah mais faut pas roulade dans les mobs aussi. Bah si tu veux passer derrière eux. Tu te fous de ma gueule, j'espère. Il faut passer derrière eux justement, elles se les boucliers là. Ok, c'est la merde. Non, ça devrait aller. Viens là toi. Et... ensuite. Ah mais y en a partout. Prochain niveau, on fait un niveau en dessous. Hein. Mais il y a combien d'invocateurs? Mais il y en a combien? Il y en a 16 millions et demi. Et demi. Oh non, c'est mort. Retraite. Bah non, on en aura pas. Oh là là, la galère. Ouais, je pense que... Ah bah, oh, gain de niveau. Ouais, bon bah, je pense qu'on va faire un niveau en dessous, hein, parce que... Le jeu nous a menti. Ne reproduisez pas ça chez vous, ce stream est géré par des professionnels. Ouais, grave. Est-ce qu'on a... Oh, au moins on a récupéré les... Au moins on a de l'armure. Un couteau de céramique utilisé... Attends. Comment ça tape? On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de racheter du stuff. Alors, attends, parce qu'on faisait comment déjà? C'est d'abord... Comment on fait pour vendre, ouais? Tu cliques sur l'objet, tu fais recycler. Ah, en effet. Alors, attendez. Comment on voit notre inventaire à nous, c'est I. I, tout à fait. Ah, d'accord. Et ça, c'est ce que j'ai dans mon sac. D'accord. Oh, c'est bon, on a gagné. J'ai le meilleur artefact. Le cube laser. Et j'ai le couteau qui permet de choper beaucoup plus d'âmes. C'est bon. Vaincre une créature vous soigne à raison d'une petite partie de la vie max de celle-ci. Ça, je vais le prendre, tiens. J'avoue. Ouais, ça... moi, j'ai. Ouais, c'est pareil. J'ai pris des trucs pour le heal. Là, par contre, il faudrait un artefact. 5 secondes de temps de recharge. Accorde un bref bonus de déplacement. Bon. Il y a pas mal de changer d'armure de voleur.
à la place de mon armure légendaire. Oh. Vitesse d'attaque au corps à corps. Ah oui, quand même. Mais l'armure s'en fout. Alors attends. J'ai le choix, vous allez peut-être m'aider. Alors, mon armure actuelle, j'ai 158 de santé. L'utilisation d'une popo augmente la défense, réduction des dégâts de 35%, 30% de chance d'annuler des coups, temps de recharge de la roulade plus long par contre, de 100%. Ce que je viens d'avoir, je gagne 173 de santé au lieu de 158, mais j'ai une vitesse d'attaque au corps à corps de 25%. Est-ce que c'est mieux que je garde la réduction des dégâts en gros? Bah là, vu le nombre de mobs, vaut mieux le garder, je pense. Donc je recycle... Okay. Bah au pire, garde-la ou améliore-la au forgeron. C'est recyclé. Trop tard. Coucou Nino. Bien le bonjour. Donc du coup, on part en difficulté. Attends. 5. Et non, on était en quelle difficulté, oui? On était en difficulté 6. D'accord. Niveau recommandé, 27. Puissance recommandée, 27. Et on est à 29 de puissance. Donc là, on va partir pour une puissance recommandée de 22. Et on revient sur ce qu'on vient de faire, c'est ça? Ouais, on va devoir tout refaire. Malheureusement, on est obligé. Sauf la petite caverne où on a débloqué le... Regardez, on a débloqué le temple inférieur. D'accord. Nino a pas fait de cauchemar cette nuit. Ah ben, je suis content de le savoir. Ah, toi aussi t'as pris le coup de la dame, Yaki. Ouais, mais alors quand je vois la vitesse d'attaque, je me dis que je regrette. Déjà, il y a beaucoup moins de mobs. Genre vitesse d'attaque sur 20, quoi. Guillaume, tu peux passer en appuyant sur espace. Attention, je vais lancer une TNT. J'avais un temps de chargement plus long. D'accord. Alors, je savais pas que le jeu existait sur Minitel. C'est leur... C'est pas Sailor Moon, du coup, mais c'est... Oh, une abeille. Oh, deux abeilles. C'est mes abeilles. Ah, c'est moi qui ai une TNT, pardon. Oui, vas-y, Jack, ça sens comment, ça sens comment? Clic droit, comme... Attention, un, deux, trois. T'es trop près, elle va aller trop loin. Bah écoute, j'ai essayé. C'est qui d'autre qui a le gros cube laser comme moi? Moi. Ah, c'est bien. J'ai fait le boss final rien qu'avec cet item. Les abeilles servent à quoi? Les abeilles, elles t'aident, elles piquent les ennemis, mais quand, exemple, tu fais du feu par terre, elles peuvent se brûler. Donc, il y a du friendly fire dessus, quoi. Voilà. D'accord. Fire! Ah oui, et Ralga, si jamais tu fais le laser, vaut mieux pas le faire dans les escaliers. Est-ce que c'est buggé? Oui, ça ne prend pas la perspective. Ah, d'accord. Où allons-nous? En haut, à bas? On peut aller directement en haut, vu qu'on a déjà fait cette partie. Ça sauvegarde... Mais c'est pas la même map pourtant, si? Je pense. C'est pas tout à fait la même, non. C'est un roguelike, de toute façon. Oui, c'est pour ça. Oula, ils sont enchantés, eux. Ah, ils se régénèrent, mince. Tout est KO. Ouais. Allez, mais il reprend sa vie et comme j'ai une vitesse d'attaque inexistante. Ouais, mais je pense. 3 ans à le tuer, quoi. Donc, du coup, Ralga, garde tes âmes. Je pense. Vous êtes tous là, oui, c'est bon. Oh là là. Du coup, le système d'âme, ça marche comment? C'est genre récupérer une à chaque fois que je tue quelqu'un, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, avec le coup de là, enfin, si t'as le coup de là, oui. Et de toute façon, tu vois, c'est les petites têtes qui te suivent. Ouais. Merde, pardon. Et c'est la barre qui se remplit en bas? Aïe. Ouais, en bas, ouais, juste à côté. Donc là, moi, je suis full. Et le laser, ça va, il prend pas gros... Il prend pas trop, encore. Ah bah, là, c'est vrai, c'est la clé. Ah, faut retrouver le Pikmin. Ah, putain de... Pardon, excusez-moi, faut que j'arrête avec... À chaque en fois plus, que je veux pas dire, mais... Putain, c'est genre... Ouais. Ah, merde. Ah, ça aussi. Ah! À chaque fois que je vais dire une insulte, je mettrai 5 centimes sur un don, voilà. Allez, vas-y. Jackie va être tout seul. Qui c'est? Merci. Qui l'a activé? Ah, pardon. Merci. Pardon.
Il y a un E, Noémie, à la fin. Ça fait une faute. Ma vie est dure. Et je crois en plus, Ralga, que plus tu as de dames, t'as, normalement t'as le talent qui fait que tu tapes beaucoup plus. Non, je l'ai pas. Ah mince. Yaki, tu l'as pas toi? Non. Le... Parce que moi sur mon coup de là, c'est en gros plus j'ai dames, plus j'ai de chance d'infliger triple dégâts et de d'avoir de la vie en plus. Non, moi mon truc il est gris, il est pas doré pour avoir plein d'effets comme toi. Moi aussi il est gris. Ouais, mais j'ai pas ça, putain. Hop. Ah! Alors juste, comment ces pièges s'enclenchent en fait? En fait, tu as les petites dalles avant? On va te montrer. Ouais. Oui, je veux bien. Parce la prochaine, on te montre. Mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, d'habitude, il y a... Laser! Underman! Oh, en fait, c'est pas du tout fort, ça. Le cochon. Oh, j'ai ramassé un arc de charme d'amour. D'accord. De l'amour. J'ai fait 3/4 de la vie de l'Underman avec le laser. C'est pas du tout buté au projet. Sur sur E ou pas, c'est pas Ah non, il est pas mort. Sur guillemets, non. Pour l'enlever. Oh, le bruit. Je suis à la manette. Oui, c'est vrai, t'es à la manette, c'est vrai. Donc je crois que ça doit être gâchette de droite. Non, c'est X. Ah. Attention, j'ai une TNT. Ah, c'est beaucoup plus simple avec le laser maintenant. Tu veux la lancer, je pense, Jack. Alors, rappelez-moi comment on lance une TNT. Droit. Comme quand droit. Tu lances une clic droit, attention, il y a du... Vas-y, lance-la vers le haut. Ah oui. Bah non, il y a rien, là. Y'a qui pont, t'es mort? Non, je recycle, je mets mon arc de l'amour et de la vérité. J'ai eu peur. T'inquiète, je suis pas mort. Pour ce qui crée les flammes, c'est les petits... Oui, il est derrière. Bleus, hein. Si jamais. Là, j'ai vu l'arc de l'amour et de la vérité, au corps à corps. Oui, tu peux taper au corps à corps avec la TNT. Mais en fait, tu déplaces un peu... Mince. Oh, les bruits de l'amour. Ouais. Ah, mon dieu. Y'a plus les... La lyre retrouve... Ouais, instrument de musique. C'est trop bien, ça. Doing. Oula, pourquoi c'est bleu? Ah, faut aller là. Merci, Jack, oui. Tu me suis alors que je suis perdu. Bah oui. OB. Non, ça sert à rien, Ralga. Ah, j'ai vu. C'est l'escalier, c'est con, mais... Alors, les dalles de piège, Jack, ils sont... un peu fort, votre rayon laser, je trouve. Ils sont là. Ah bah non, mais quand je te dis, Yaki, j'ai fait le boss final, l'arche la joie, quand je joue en solo. Merci d'avoir tout spoil. Mais alors, vraiment, quoi. Bah, je l'ai fait en solo. Putain. J'ai rien spoil du tout, Yaki, hein. Si, t'as dit le boss de fin, c'est... Bah, c'est l'archi la joie, comme. Bah, on n'est pas obligé de le savoir, s'il faut, c'était pas ça, putain. Bah, si, c'est expliqué au début de l'histoire. Oh, pour le coup, là. Là, Yaki, c'est expliqué au début de l'histoire, c'est le but principal du jeu, en fait. Non, parce qu'il y aurait pu avoir un plot twist. Dans Minecraft? Bah, oui. Il est où, Ander? Il est là-bas. Ander. Ander. Hey. Ander est contre tous, quoi. Ander ouais. Et Damation. Ander le 5ème mousquetaire. Je pense qu'on les a toutes faites, c'est bon là. Je crois qu'il s'est fait un peu bolosser là, l'Ender. Ah, j'ai récupéré une encore. Tu vois Jack, les dalles là en croix. Celle-là, là. Ici. En fait, quand elles sont pas activées, elles sont remontées, et quand tu passes dessus, ça active le piège. Mais là, en fait, je crois que comme on est déjà passé, ça les a déjà activées. Par contre, je sais pas si les ennemis, s'ils passent dessus, ça les active ou pas. Meurs, boss de fin. Tellement les boules. Si vous pouvez récupérer les TNT à ma place, c'est parce que je vise à côté. Est-ce que les créatures et les monstres prennent aussi les pièges? Je ne sais pas. Je pense pas. Hein,
Ah, c'est qui a récupéré le l'arc avec les grosses flèches? C'est moi qui l'ai, depuis le début du jeu en fait. Enfin depuis que... Ah, tu l'as toujours pas changé? Ah bah non! Y a pas tant de loot en fait, hein, par rapport aux dernières fois. C'est clair. Et tu vois, les dalles elles sont là, Jack. Ah oui. Un. Deux. Trois. Ah, elles sont pas activées. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Soleil. Ouais. Le cochon. Ah, j'avais une TNT. Merde, quel con. Oui. Bon, bah, l'araignée, elle a pris cher. Elle a pris cher. Cher. Cher, binarnard. Le thé à la menthe. D'accord. Mais t'arrives à avoir la barre remplie, Draken? Bah oui, parce qu'en fait, mon arme, c'est une dague de sacrifice, et dès que je tape quelqu'un, j'ai une âme, et j'ai D'accord. pris le talent pour récupérer le plus x3 d'âme quand je tue quelqu'un. Donc là, en gros, quand j'ai une âme, j'en gagne 5. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est bon, quoi. Ah, les violets... Beaucoup plus simple. Un peu, ouais. J'ai rien compris à ce qui s'est passé à l'écran. Ah, comment ça s'appelle? Les albardiers, ils marchent en crabe. Pardon, j'ai pas pu me mute. Le Hatchoum est totalement naturel. Plus que le putain. Ah oui, complètement. Je sais pas, moi ça fait partie de la ponctuation. C'est vrai. Oui, oui. En tant que bon français. Bon François, s'il te plaît. Allez chercher la baguette. Bah tiens, en parlant de bon français. Il y a plein d'argent là. Tout le monde fait demi-tour. Vite, F4, vite. Marcher, c'est bien. Jake, il nous ramène dans les mobs. Quel traquenard. Il a raison. Putain, le fun est mort avec le rayon laser. Les mobs aussi, ils sont morts. Voilà. Ouais. Il y a un truc là ou pas? Oh oui, il y a quelque chose! Je suis sous la map! Enfin, y a rien, enfin, c'est juste un tunnel, mais il y a rien quoi. C'était là où on est mort tout à l'heure, hein, c'est ça? Oui. Pourquoi la musique s'est arrêtée? Non. Ouais, c'est... Parce qu'on va se faire agresser. Oula. Oh là, ah, les portails. Oui, oui, vu la tronche. Cliquez sur les squelettes pour lancer, si vous voulez. Mais est-ce que je veux? Je pense que oui. Bonjour. À mort. Ça fait penser au passage du JDG. Quand ils sont tous contre un panda. C'est Azarim. Il est où? Mais il se dédouble. Sur moi. Ok, le ray. J'aime beaucoup le sur moi, mais ça veut rien dire sur moi. Donne une direction. Ouais. Pas. Je
Attention, il va se TP. À gauche. D'accord. Et une armure d'araignée unique. Moi j'ai une armure de Wither. Regardez, j'ai eu un arc. Map. Sur votre map, il y a deux rectangles en bas. C'est pareil, je sais pas si on peut y accéder. Non. Oula, nécromancien. Oula. À TNT, je ne touche pas à ça. Même pas avec un bâton? Non, non, non. Putain, les deux pauvres araignées et le squelette, ils ont pris tellement cher pour rien. Vengeance. Niveau 20, niveau 25. Ouais. Nice. Heureusement qu'on a pris le laser, je crois. Allez, venez, petite Sam. Ouais. Victory du premier coup. Ouais. On est trop Ford. Putain oui. Ah, faut dire d'autres marques du coup. On est trop Citroën, Peugeot, Volvo, Porsche, Renault. Pourquoi je saigne? Ferrari. En fait, je suis le seul niveau 25. Laurent. Tout à fait. Putain mais je saigne grave même. Ah tu saignes pour de vrai? Ouais. Ah merde! Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Je reviens, je vais chercher un mouchoir. Vas-y, vas-y. Excusez-moi. Non, vas-y, attends, quand même. Non, on t'excuse pas, t'as pas le droit de saigner. Alors Valga, inventaire. J'ai mon artefact laser qui fait rassemblement d'âme plus 1. J'ai un carquois qui fait rassemblement d'âme plus 1. J'ai mon épée qui fait rassemblement d'âme plus 1. Mon totem guérisseur, rassemblement d'âme plus 1. C'est bon, ça va passer easy. Je vais remplacer ça par ça. Ah, et augmente le nombre d'âmes portées. Allez, rassemblement d'âme plus 1 à 100%. Allez. Alors. Bon. Ça. Excusez-moi. Peut-être que tu peux limiter les enchantements, ça pourrait être intéressant. Ah, une arbalète légendaire au marchand de luxe pour moi. Si quelqu'un veut, je peux lui acheter. Elle est une dégâts. Ah non, dégâts 65. Attends. Ah non. 610. Alors mon arc peut soigner les gens autour. Oh, c'est bien ça. La même. Pourquoi le mien il fait pas ça hein? Y a pas quelqu'un qui peut m'envoyer un objet que je le vends pour acheter l'arbalète légendaire? J'ai rien dit, mon arc il fait pareil. Ouais, parce que là en gros, si je vends mon arc, je suis qu'à. Attends, je peux peut-être acheter une connerie à un marchand. Bah en fait, il faut. Leur valeur de cadeau envoie coûte cher, hein, donc. Bah perso, j'ai rien à te donner donc. C'est vraiment. T'as juste. C'est n'importe quel truc. Là actuellement, mon arc il fait dégâts 64 à 128, mais. Non, mais ce que tu veux dire, tu veux qu'on te donne quelque chose pour que tu le vendes? On te donne n'importe quoi, peu importe. N'importe quoi, ouais. D'accord. Ce qui ne te sert pas, bien sûr. Voilà. Donc inventaire, et je dois le faire mettre où? Là-bas, dans ton cul. De cadeau. Mais. Alors, t'as osé? C'est deux dagues, Ralga, donc. Il va prendre peut-être L'un n'empêche pas l'autre. J'espère que j'aurai assez. Je vois pas où est le problème, t'en mets une puis l'autre après quoi, enfin... Oh. Une après l'autre, d'abord la gauche. Et une gorgée de Volvic entre les deux dracs. Je suis à 581. Les gars, j'ai un bâton de combat, je me bats avec un bon bout. Les dégâts du bâton de foudre que je peux récupérer là, il pourrait faire 660. Ah mais... Ok Donatello quoi. Bambou. Ouais mais le bambou il est vert, il est pas violet. Attends, oui il est pas violet.
serais déçu. Bon, Wata. Bah. Attends, on parlait devant Hurlevent ou Wargrim. Je pourrais pas l'acheter, il me manque 30. Tant pis, c'est pas grave. Merci quand même, Jack. 155 de. Et il te manque combien, t'as dit? Non, mais c'est bon, j'en ai pas assez. J'en ai racheté. Non, mais c'est bon, j'en ai racheté une. C'est bon. Bah, comme tu veux. Parce que j'ai encore 2300 joyaux, je sais pas quoi. Donc, Ah bah, c'est bon alors. Vas-y. C'est bon, je pensais que t'avais plus beaucoup, moi. Ah bah, non, moi j'économise. Vas-y, alors. Alors, je vais acheter ça. C'est le Jack Friday. Le Black Friday, c'est le Jack Friday. On est lundi. C'est pas grave. Jack Monday, alors. Ah, mais je peux pas, c'est un cadeau à la fois. Oh. Je peux pas le mettre par terre comme dans Minecraft. Non, bon bah tant pis. J'ai pas d'arc. Et ça va partir du coup, il sera pas là après. Ouais, non, on peut pas le réserver. D'accord. Ah si, réservé. Oui, c'est bon. Je l'aurais dit, c'est bon. On peut réserver les items. 51, et on a mis presque une heure pour faire un niveau. Tout va bien. T'as une heure de départ, Yaki? Mmh. Tu as une heure de départ? C'est-à-dire? Non. Pardon, j'avais pas compris, mais non.